plusieurs années. J'ai eu l'occasion de la voir en concert. J'ai eu l'occasion aussi, le plaisir de l'enregistrer dans toutes sortes de situations. Et c'est une artiste que je considère exceptionnelle, même parmi tous les artistes que j'ai rencontrés, que j'ai pu enregistrer dans le monde de la musique classique ou de la musique traditionnelle. J'ai rarement vu une personne être aussi concentrée, être aussi absorbée quand elle joue de son instrument, surtout du pipa. Elle est là sur scène, elle ferme ses yeux, elle entre vraiment à l'intérieur d'elle et la musique sort de ses doigts, des pores de sa peau. C'est quelqu'un aussi qui est capable de s'ouvrir aux autres et j'ai eu l'occasion de l'enregistrer aussi dans toutes sortes de situations. On peut lui demander de l'associer avec des musiciens du Liban, avec des musiciens d'Iran, avec des musiciens d'ici, en musique contemporaine, classique, en musique traditionnelle, en musique populaire. Et à chaque fois, elle est toujours très adaptable et très ouverte. Alors, ce sont deux qualités qui sont réunies chez elle et qui en fait, je pense, une artiste exceptionnelle. Et puis, elle nous a... sa contribution ici au Québec est assez extraordinaire parce qu'elle nous a fait apprécier la musique classique de son pays, la musique classique chinoise. Et moi, qui connais bien la musique classique occidentale, avec des compositeurs comme Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, j'ai trouvé tout de suite, parce que c'est une grande interprète, que la musique qu'elle jouait était du même niveau. Et que c'était une musique qui avait beaucoup de profondeur, beaucoup de richesse. C'est une musique qui est aussi qui se situe hors du temps et hors de l'espace. Tout comme la musique de Mozart, je suis sûre, est capable de toucher le cœur des Chinois. Je pense que sa musique, elle, est capable de toucher le cœur des Québécois. Alors, je pense que Liu Fang a contribué vraiment, est une contribution exceptionnelle à la culture québécoise.